short one. Une lettre courte. Salut Moji, je veux être libre. Je suis fatigué de souffrir par mon mental. Je ne peux pas observer mes pensées maintenant. Je sens que lorsque j'essaye, j'interagis immédiatement. Et donc, je ne peux pas être le deuxième oiseau. Mais c'est bien le deuxième oiseau qui dit ces choses. Je ne peux parfois qu'arrêter mes pensées en trouvant d'où le pouvoir vient. Mais bientôt, des autres pensées viennent et me submergent. Est-ce que tu peux m'aimer? L'amour de Bennett. Je peux parfois arrêter la pensée en trouvant d'où on trouve la source du pouvoir, de leur pouvoir. Mais bientôt, d'autres pensées arrivent et me submergent. Ça aussi, c'est observé. Le problème, c'est que combien d'importance tu vas donner au ce sens de « je », de « moi », celui qui se sent submergé. Écoutez encore une fois, je peux parfois arrêter la pensée en trouvant leur source, la source de leur pensée, de ces pensées. Mais aussitôt que cet exercice est fini, ils reviennent. Mais juste après, des pensées reviennent et me submergent. Qui est ce « moi », ce « je » ? Ce n'est même pas ce « moi » qui est... Est-ce que ce « je » qui est submergé n'est pas un scénario qui est observé depuis un endroit plus profond? Je veux savoir si vous avez atteint cette position, cet endroit. Ce qui peut observer ce qui est même plus proche que l'intimité. Plus proche que l'intimité. Et pourtant, il est perçu. Quels que soient les mouvements qui sont détectés, que ce soit une pensée, un sentiment, une sensation, quelle que soit, quelle forme que ça soit, qu'elle prenne, parfois des formes, des choses sont si subtiles qu'elles n'ont pas de nom. Lorsqu'on les recherche, on ne peut pas les trouver, elles disparaissent, et pourtant on peut les percevoir. Et donc, les sensations, des pensées qui surgissent et me submergent, regarde celui qui est submergé. Ne dis juste pas ne te contente pas de ces mots. C'est juste une sensation et on l'interprète immédiatement, ça signifie c'est « je » parce que c'est si lourd et vous oubliez celui qui ne part jamais, celui qui ne peut jamais être submergé, ça c'est votre chance. Même si une sensation aussi forte qu'elle vous submerge, peut-être que vous n'avez pas le besoin ou même le pouvoir de reconnaître cela aussi. Cela aussi est vu. Je me demande qui d'entre vous reconnaisse l'importance de cette indication. Et donc, rapidement, on dit « oui, voilà ». On l'enregistre. Voilà, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le fait de ce qui se passe. Non, c'est la fiction. Ce n'est pas le fait. Le fait est qu'il est observé. Et il passe. Et on observe qu'il passe. Si vous y étiez cela, alors s'il passait, lorsqu'il passe, vous passeriez aussi. Mais vous observez son absence, sa présence, et même son départ. Qui êtes-vous qui observez qu'il n'est plus là? Est-ce que cela n'est-il pas présent même dans les pulsations les vibrations les plus élevées du mental? Ceci, l'humanité ne l'a pas encore découvert.
Sinon, vous ne seriez pas si facilement déstabilisé par une sensation. Vous le regarderiez simplement. Ça aussi, cela passe. Et cela est vu, observé. Il vient. Si vous êtes identifié à cela, alors lorsqu'il s'en va, vous seriez aussi parti. Mais vous observez qu'il est parti. Qui êtes-vous qui observez même cela? D'où est-ce que vous êtes venu? Où pouvez-vous aller? Et donc, c'est une indication que vous ne devez pas ignorer. J'ai une autre question. Non, vous n'aurez pas d'autre question. Vous devez vous mettre dans votre sac de couchage et vous devez mariner. Je dois voir, jusqu'à ce que je conquère cette désillusion, cette illusion. Parce qu'en reconnaissant cela, c'est gagné au loto. Sinon, on recherche pour des sensations temporaires qui seront remplacées par des problèmes, des nouveaux problèmes. Et ça, c'est vraiment la clé de la transcendance. Mais là, ici même, le mental est au plus haut de son activité. C'est comme s'il garde en otage l'être par cette pensée, ce sentiment. Si tu vas plus loin, tout va s'écrouler. Et tu y crois, et vous hésitez. Mais je vous invite à regarder. Vous n'avez pas besoin de créer. Vous n'êtes pas celui qui peut être balayé aux quatre vents. Not long ago, these teachings you could not find. Il y a peu de temps, même ces enseignements, vous ne pouvez pas les trouver. Il y a peu, d'en arriver à de tels enseignements, vous deviez passer 12 ans dans un monastère ou un ashram avec quelqu'un qui était déjà allé au-delà. Mon maître l'a amené dans pour tous, mais qui peut l'entendre? Et pourtant, on continue à faire des choix plus bas. Il n'y a personne ici en dehors de la conscience. Tout est imaginé, rêvé. Mais ce n'est pas facile à accepter. Chacun, quand il fait référence à lui-même, dit « je ». « Je » indique la conscience, pas la personne.
Il semble que ce soit devenu corrompu, limité au phénomène du corps mental qui est instable. C'est pourquoi je vous dis encore, où que vous soyez, sans besoin de vous tourner à gauche ou à droite, videz-vous. Même si ce n'est que pour quelques moments, mais faites-le complètement. Ne serait-ce que pour quelques instants, mais faites-le complètement. Laissez partir tout cela. Au bout de quelques temps, vous pourrez les récupérer. Mais examinez ce qui est ici, qui ne peut pas être vidé, qui ne peut pas être enlevé, qui ne peut pas être annulé, qui ne peut pas être remis à plus tard, qui ne peut pas être possédé, laissé de côté. Alors laissez tout de côté, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à laisser de côté, et demeurez en tant que ce qu'il reste. Le mental se bat contre cela. Mais le mental ne vit qu'en raison de notre croyance, que sur la base de notre croyance. Du mental peut venir une pensée. Si tu laisses tomber tout cela, tu vas devenir fou. Tu vas perdre tout ton contrôle, comme si tu en avais jamais eu. Tu ne vas plus savoir comment fonctionner. Et alors quelque chose recule. Reste comme un mouton qui bêle. Est-ce que vous attendez d'être? Alors, mettez cela à l'épreuve. Lâchez tout. D'autres ont essayé. Ce sont eux qui viennent et qui peuvent témoigner. L'invitation a été suivie. Elle a été acceptée. Et tout est accompli. L'invitation, en résumé, lâchez tout, ne mélangez rien avec vous-même, pas même le sens de je. S'il y a un contenu, laissez-le. Qui va suivre ces instructions, même? L'intelligence de l'être. Le mental va peut-être dire, bon, ok, et qu'est-ce qui vient après ?
ne touchez pas à ce après, pas d'après, seulement ceci. Then do what comes. Alors, faites ce qui vient. N'accordez pas tant d'importance à ce qui se passe au grenier là-haut. Laissez tout cela de côté et le silence viendra vous embrasser. La paix viendra et sera votre compagnon. Quand? Tout de suite. Stop waiting to be. Cessez d'attendre d'être. I have neither past nor future. Je n'ai ni passé ni futur. Supremely happy. Par conséquent, je suis suprêmement heureux, toujours. Same like you. Tout comme vous. Faites cela. Lâchez tout. Et dites-moi avec vous, de votre propre parole, qu'est-ce qui peut être amélioré par rapport à cela? D'accord. Not one more word is needed. Il n'est pas nécessaire de prononcer un mot de plus.